Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre coach du jour tiré du livre Courage. Un homme rêva un jour d'une certaine ville d'Autriche dans laquelle se trouvait un pont. Et sous ce pont se trouvait un trésor. Il se rendit donc là-bas et se tint près du pont. Il se demandait comment il allait s'y prendre. Pendant la journée, il ne pouvait pas se mettre à chercher, à cause des nombreux passants. Un soldat passa par là et lui demanda « Que fais-tu là à réfléchir ?» L'homme estima qu'il valait mieux dévoiler son projet, afin que le soldat lui vienne en aide, après quoi il partagerait. Il lui confia donc toute son histoire. « Il n'y a qu'un juif pour prendre un rêve au sérieux, » répondit le soldat. « Moi aussi j'ai fait un rêve, celui que chez un tel et dans telle ville, » il mentionna le nom de l'homme et de sa ville, « dans son magasin se trouve un trésor, est-ce que je vais aller chez cet homme ?» L'homme rentra chez lui, fouilla son local et y trouva le trésor. « Maintenant je sais bien, » dit l'homme après cette histoire, « que le trésor se trouve chez moi, mais pour l'apprendre, il m'a fallu aller à Vienne. » Il en va de même pour tous ceux qui veulent se rapprocher de Dieu. Le trésor, les valeurs spirituelles, les qualités, les forces se trouvent en chacun, en nous-mêmes. Mais pour découvrir cette fortune, il est nécessaire de se rendre chez le juste. Car tu n'es plus loin du trésor. Tu sais ce trésor que ton Père t'a envoyé chercher dans ce monde. Il t'a donné le plan pour te guider, la Torah. Il t'a donné la lumière pour t'inspirer, stimuler ta recherche. Il t'a envoyé des étoiles pour te repérer dans la nuit du monde et de la vie. Ces étoiles, ce sont ses idées, celles dont nous parlons maintenant et qui proviennent du firmament des justes. Si tu sais mettre toute ton intelligence, tes forces, ta confiance dans ces idées, il n'y a pas de doute que tu trouveras ton trésor. Très petit déjà, tu t'étais demandé à quoi sert la vie. Tu as cherché, éliminé, choisi, trié. Tu as peut-être découvert ta voie. Sache qu'au bout de cette voie se trouve ton trésor. La réponse à la question « À quoi sert la vie ?» Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée. Bénédiction et réussite et merci beaucoup de votre écoute.